Allô YouTube, ici Victor, bienvenue. Je suis de retour de vacances et je voulais en profiter puisque c'est la première fois que je reprends ma caméra depuis un bon mois pour vous remercier. Remercier tous ceux qui ont participé au concours des 3000 abonnés. On est déjà rendu à plus de 3200, donc ça va très très vite. Merci pour votre fidélité. Merci pour toutes les suggestions que vous avez mis en commentaire. Donc à chaque fois que vous me faisiez une suggestion, vous courriez la chance de gagner une pochette de confort de classe premium économie. Il y a eu énormément de suggestions. Vous me donnez du contenu à créer au moins jusqu'à la fin de l'année, donc je suis très content parce que des fois je dois un petit peu me tirer les cheveux pour savoir de quoi je vais parler. Une chose qui m'a moyennement surpris, c'est qu'on m'a posé beaucoup de questions, on m'a suggéré des vidéos que j'ai déjà traitées dans le passé. Alors c'était à prévoir parce que tout le monde n'est pas là depuis sur ma chaîne depuis 3 ans. Si vous avez besoin d'une information plus rapidement, n'attendez pas à ce que je crée une vidéo, peut-être qu'elle a déjà été créée. Je vous invite, si vous utilisez YouTube sur un ordinateur ou sur votre téléphone, d'appuyer sur le bouton playlist et vous allez voir, il y a plusieurs catégories avant le voyage et pendant le voyage. Et ensuite, vous pouvez faire défiler la liste des vidéos que j'ai fait jusqu'à ce que vous voyez éventuellement le sujet qui vous intéresse. Certains de ces sujets, je vais les refaire, les mettre à jour, mais si vous avez besoin d'une réponse immédiate, c'est là où vous allez pouvoir trouver la réponse. Aussi, donc il y avait 3 gagnants, puisque 3 commentaires ont été tirés au sort. Sur les 3 gagnants, j'ai eu la chance d'en rencontrer un, donc vous allez voir la petite vidéo, on a fait une petite vidéo rapide avec Bill, mais il y a encore 2 gagnants qui ne sont pas encore manifestés, donc je vous invite, si vous vous appelez, je regarde mes notes, excusez-moi, Aza ou Thomas, regardez, vous êtes peut-être les gagnants, donc allez dans l'ancienne vidéo, je vais remettre le lien par ici, et regardez si j'ai mis un commentaire sous votre commentaire vous disant que vous avez gagné, et dans ce cas-là, je vous indique la procédure à suivre pour me donner votre adresse pour que je puisse vous envoyer votre cadeau. Une fois de plus, un grand merci d'avoir participé, je suis excité parce que ça fait un mois et demi que je n'ai pas touché ma caméra, je vais recommencer à filmer à partir d'aujourd'hui, donc la vidéo qui s'en vient cette fin de semaine, elle a été filmée à l'avance, mais à partir de la semaine prochaine, ça va être très très frais. Une fois encore, un grand merci. Vous allez voir maintenant ma rencontre avec un des gagnants, Bill. Et puis, on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Salut! Allô YouTube, mon nom est Victor. Je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que dernièrement, j'ai fait un concours pour célébrer les 3000 abonnés de ma chaîne. Et j'ai pigé au nom de 3 de mes abonnés qui avaient mis un commentaire, qui avaient suggéré des vidéos qu'on va faire dans le futur. Et l'un de ces abonnés m'a répondu très vite. Et je suis de passage à Montréal pour une fois dans mon ancienne ville. Et j'ai la chance de rencontrer Bill, mes abonnés. Ça fait plaisir. Merci de me rejoindre. Tu es en plus un abonné depuis assez longtemps. Je suis content d'avoir que le hasard ait choisi ton nom. Et puis je voulais te donner un petit cadeau. Donc le prix, c'était une pochette de confort pour la classe affaires. J'en ai plusieurs parce que je prends souvent l'avion aussi en tant que passager. Mais j'ai fait ma propre pochette avec les choses que j'aime bien avoir autour de moi. Donc en général, je prends toujours les pochettes qu'on me donne et puis je les redonne à des amis, mais 3 d'entre elles sont dans ma valise et j'ai le plaisir de te donner une pochette. Est-ce que tu prends l'avion bientôt? Peut-être à l'automne. Ça c'est à l'automne, ok. Je peux te déballer. C'est à toi, tu fais ce que tu veux. Il est serré, il y a toujours un petit seau pour s'assurer que personne n'ait joué dedans. Oh. Ça, c'est la sécurité. Alors tu peux te brosser les dents, tu peux mettre un masque, tu as des bas aussi pour enlever ses souliers, être confortable. Tu as un masque pour les yeux. Et j'ai appris qu'on ne va pas aux toilettes nu bas. Ça c'est bien, hein. Okay. Parce que je rappelle que le liquide dans les salles de bain de l'avion, c'est pas souvent de l'eau. C'est pas souvent de l'eau ce qu'il y a par terre. Tu as des bouchons à oreilles, donc c'est pratique si un bébé autour de toi qui braille. Une brosse à dents. Donc c'est pas le plus fancy, il y a des compagnies qui ont des choses, si vous voyez, chez Emirates, là tu as même un rasoir, la mousse à raser, t'as plein d'affaires, mais c'est une base quand même qui est bien pour rendre le voyage un peu plus confortable, puis même si en classe économique, au moins tu peux t'isoler puis avoir un meilleur voyage. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, merci de m'être venu me rencontrer, parce que je vous dis une fois de plus, je n'habite pas à Montréal, ça fait que je ne vois pas souvent mes abonnés. Quant à vous, je vous invite à vous abonner si vous m'avez découvert un petit peu par hasard. Vous mettez aussi un pouce vers le haut si vous voulez féliciter Bill d'avoir gagné, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bye. Oh.